Ce désert chez Gaga, c'était très impressionnant parce qu'on peut dire chaque jour, on a eu des conditions de trek différentes au niveau des paysages qu'on traversait. Par exemple, on traversait ces grandes plaines qui ressemblaient à des lacs salés. Puis ensuite, on attaquait les dunes. Une journée de plein soleil, très chaud. La nuit, on pouvait dormir à la belle étoile sans problème. Ensuite, arrivait de la pluie. Donc là, c'est aussi voilà, une réalité qui nous surprend. Tiens, il pleut dans le désert. Oui, il pleut. Et puis ensuite, il y a eu tout l'épisode du vent qui s'est levé. C'était une expérience assez éprouvante, disons, de se protéger contre ce sable qui nous attaque, visibilité réduite, où on regarde le marcheur qui est devant soi pour essayer de ne pas dévier du groupe. Au début, je suis partie avec une certaine crainte quand même, parce que c'était vraiment l'inconnu pour moi. C'est quand même difficile certains jours. Il faut pas un entraînement, mais il faut une endurance quand même. Pendant la tempête de sable, c'était pas facile, mais c'était une expérience inoubliable. Ça, on peut presque comparer ça à une tempête de neige. Oui, ce moment, c'était pas facile. J'étais très contente d'arriver au camp. J'étais très contente. Abraham, le chamelier qui nous a conduits au campement, je sais pas comment il a fait, mais il a fait. Mais je pense que c'est une expérience inoubliable. Très longtemps que je rêve d'aller dans le désert et j'ai adoré ça. C'est magique, féerique. Déjà, on est venu ici à la maison d'Ardaïf où on était reçus parfaitement. On a mangé aussi bien à la maison qu'en plein désert, comme dans un 5 étoiles, par Brahim le cuisinier qui nous fait des gâteaux, qui cuisine avec trois fois rien. Et c'est incroyable, quoi. C'est juste parfait. Ce que j'attendais du désert, j'ai trouvé les images que j'attendais, j'ai trouvé les couleurs que j'attendais, j'ai trouvé l'ambiance que j'attendais, j'ai trouvé, je ne sais pas comment dire, enfin voilà, c'était féerique. Le sable ressemble beaucoup à la neige. Alors, comme je fais beaucoup de ski, j'ai retrouvé les mêmes mouvements. Donc, ce n'était pas difficile. J'avais aussi l'impression, je me disais, le sable, c'est quand t'as de sable. Et puis, ça sera tous les jours la même chose. Alors que non, on se relève le matin, c'est toujours du sable, mais il est différent. On a l'impression qu'il nous raconte une histoire. Ils ont une forme spéciale, on en voit à perte de vue. Après, on redescend, on remonte, on revoit la même chose, mais la dune a changé. C'est un tableau qui se renouvelle continuellement. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est de voir en quoi sont construites les maisons. Elles sont vraiment en terre. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on se dit, c'est qu'au moment où elles arrivent au bout de leur vie, ces maisons, elles retournent à la terre. Et puis, on peut reconstruire. C'est une philosophie de vie qu'on n'a pas chez nous. Et puis maintenant, on comprend mieux justement la façon dont ils vivent. Parce que nous, en venant ici, on a dû vivre comme eux, on a dû s'accommoder. C'était surtout de se dire, oui, mais on va marcher, on va voir beaucoup de choses, on va voir des paysages. Mais on ne s'est pas rendu compte justement du fait qu'on vivait avec ces gens, tous ces hommes qui étaient avec nous, qu'on devait vivre comme eux. Et puis c'est là qu'on s'est dit, mais c'est vrai que c'était ça le but.
quand même. C'était plus, beaucoup plus important que simplement de monter, de descendre, de monter, de descendre, comme on croit qu'on fait. C'était ça qui était vraiment extraordinaire. Ils nous ont appris à vivre presque et puis à apprécier leur pays. Par contre, l'organisation qu'il faut derrière et de tout ce qu'il faut prévoir pour tout le monde et les gens, les chameliers, les gens qui sont là pour monter les tentes, pour monter le campement, le démonter le lendemain et ça tous les jours, ils font un travail formidable. Je pense qu'on s'imagine même pas. À l'arrivée, au départ, on se retrouve dans ce petit palais de Dardaïf, bien content d'y retourner hein, à la fin du trek. Imaginez son lit, ça c'est sûr. Et vraiment, toute l'équipe qui nous accompagnait, je veux dire, alors chapeau, hein, les chameliers, une organisation au niveau de la cuisine, toujours des bonnes choses avec peu de moyens, un travail considérable de l'équipe. Et je pense que ça, c'est vraiment à relever. C'est la qualité des prestations qui sont données en toute modestie, avec beaucoup de générosité, avec Jean-Pierre aussi, qui est effectivement quelqu'un qui, on sent, il a une très grande expérience, il sait parfois, je pense comme disait Suzanne, il a toujours une manière de transformer les choses négatives en positives, de transformer quelque chose de négatif en perspective. Et puis je pense que ça, c'est une qualité qui est rare, quoi, qui est à relever.